Mais tu veux que. J'ai bien joué les gars, j'ai fait le plein les gars. Go go. J'en ai tué deux. J'arrive. Mais vous êtes des merdes les gars. J'ai fait l'open, j'en ai tué deux, il y en a encore un. Vous êtes des merdes, mais comment tu parles toi mon frère? Je fais deux kills mec. Mais j'en ai rien à foutre de tes deux kills frère, tu parles pas comme ça. Quelqu'un peut me buy une guardian s'il vous plaît? J'ai pas les sous. Qu'on est en écho donc. Non mais c'est juste il veut niquer l'écho les gars. Supplie-moi. Raven, supplie-moi alors. Supplie-moi. Méga signalé le frère. Mais mec, je suis en fac de droit, j'ai un avenir tout tracé, toi tu vas faire quoi dans ta vie mec? Regarde, Bridge Water. Bridge Water. Ta gueule. Me parle pas. T'as Bridge Water, si tu veux faire des kills, vas-y, mec. Bon, j'appelle un admin, là, ça va. Le harcèlement, ça va. Appelle l'admin, appelle. On est 4 contre 1, appelle. Vous êtes à 3 à me harceler, les gars, pendant la game. Alors que je carry. Appelle, vas-y, appelle-le. Je suis premier du scoreboard et vous me harcelez. Appelle. T'es premier, ouais, presque. T'es premier de quoi? De rien du tout. Bah, rien du tout. Non mais t'es moi ce qu'elle fait là. Ton maïs. Vous savez qu'est-ce que je mange là? Du riz, deux œufs, haricots, c'est tout. Et maïs. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi je mange. Merci. C'est à cause de ça, je suis grosse. Ouais. Moi j'ai jamais couché avec un mec costaud. Quand je vois un mec comme ça dans la rue, je fais ça. Et je tourne le dos et je m'en vais. Mais quand je vois un mec comme ça, excuse-moi, tu me connais? Alors, et j'étais une bombe. Les artistes du lundi. Ouais, je vois. Hein, on entend ta maman dans ta voix, on entend ta maman. Bastille salam. T'es rebeu? Dis-lui salam alaikum. On entend ta petite maman dans le salon en train de préparer des boulettes. Pas ça, mais ouais, vas-y. Hé, hey, Zacharia, on a entendu ta maman. Maman. Il a beaucoup les darons, lui. Oui, non, à travers ta voix, elle résonne, ta maman. C'est son esprit ou quoi? Elle prépare des boulettes? Ouais, mais... Est-ce qu'elle se balade en babouche? Ici, écoute. À l'accent, on dirait qu'elle n'est pas très agricultrice, hein. C'est pas le genre à bloquer le périph, ta maman, non? Laisse tomber, je sais pas ce que Est-ce que t'as découvert sur ton compte? Pas du tout, jamais. Ok, bon, c'est bon. Tu fais quoi de beau dans la vie? Mais je suis vendeuse. Ok, ben moi, c'est pareil, je suis aussi dans un commerce, je suis aussi vendeur. Ouais, alors rapidement, le mec juste avant, là. Alors, il n'est pas dans la vente, hein. Il est simplement vigile, hein. Je le connais. Il est au Décathlon de Créteil, ce connard. Il a essayé de te séduire, Zarma, mais c'est un bouffon, quoi. Sérieux? Ouais, je te jure, meuf. Je reviens après. À où les studios? Non, mais attends, Ryu, là. Riri, non, mais se fout de moi. Mais comment elle me connaît? Comment elle me connaît? Tu t'ennuies pour être sur mon live ou quoi, là? Tu es connu? Trop fort. Par une blondinette? Mais bouge de là, fils de. Tu veux quoi? Allez, dégage. Quoi, chevalier blanc? C'est même pas ta meuf. Je suis sa meuf, connard. Ah, mais c'est. Je suis gay, espèce de fils de chien. Dégage de là, genre, tu veux quoi? Tu joues avec ta meuf, ça veut dire t'es connecté avec elle avec un RJ45, elle se le fout dans la c'est ça? Je l'ai jamais vu en vrai, bouffe. Mais ces gens, ils existent vraiment, putain, mais tu dois être tellement triste dans ta vie, c'est grave. Non, je suis pas grand-père. Il est bronzé en plus. C'est Rius. Hé, Rius, on t'a reconnu, hé. On t'a reconnu. J'en vois les couilles, quoi, t'es refait? T'as reconnu, clochard. Mais c'est normal, je suis une star. Va chier autre part. Allez, ferme ta t'es gueule. T'es quel star, trou du cul? Tous les jours, tu fais la ferme même chose, t'as pas de live. Ferme ta gueule, t'es un bouffon. Vas-y, casse. On va dans les bois. On va sauter. Oula, non, saute pas. Regarde. On va sauter comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué ça. On va faire du sport. Regardez qu'est-ce que je faisais à l'époque. Quand j'étais énervé, quand je voulais tabasser quelqu'un, quand je voulais boxer quelqu'un, je mets la main ici. Putain, vous ne voyez pas. Je poussais ça. On l'en voit bien là, les gars, attendez. Tabasser quelqu'un. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais trouver. En fait, je me suis fait un compte LinkedIn avec ma photo de profil et en fait, j'ai mis des petits textes derrière en dessous. Donc, je vais te lire ce que j'ai écrit. D'accord. Comédien animateur dans de nombreux domaines, radio, FM, en télévision, sans oublier aussi avec les enfants. Autre chanteur. Non, en non, autre bonne non, capacité ça, en moi que vous possédez. Non, me coupe pas. Oui, c'est ce que tu dis, c'est moi. C'est faut que tu écrives autre chose. C'est ce que tu dis, moi, c'est ce que j'écris pour moi. C'est dire pour une personne. Non. Ah si, c'est ce que j'écris pour moi. Donc c'est là, je te fais du copier-coller. Non, mais ah bah oui. Non. Ah bah non, si. C'est ce que j'écris pour moi. Non, ah bah si. Là.
Bah si, c'est moi, c'est ce que j'écris pour moi, c'est le mien. Donc là, tu es en train de copier. C'est fais quelque chose d'autre. Là, ce que t'as dit, c'est ce que j'écris pour moi. T'es en train d'insinuer que je copie sur toi, Manu. Ah bah exactement, ce que t'as dit là, c'est ce que t'as écrit pour... C'est ce que j'écris non, mon texte pour moi. Non, ah impossible, si, si, impossible, si. Bah si, bah si. Ah bah si, je suis désolé, je sais ce que j'ai écrit. Ce que t'as écrit, c'est moi. Donc, ah non, écris autre chose. Là, t'as manque d'imagination, là, tu fais là, rien. Là, tu es malhonnête. Non, c'est malhonnête, pas c'est malhonnête, du tout. Manuel. Ah, je suis pas malhonnête, je n'ai deux. Bah, non, c'est pas possible. Je suis réaliste. C'est pas possible. Ah non. Non, non, bah, non, c'est si pas réaliste du tout. C'est pas réaliste du tout ce que t'es en train de faire. T'es en train de dire que je suis un copieur, t'as pas honte? Mais bah pardon, non, je suis pas un copieur, c'est toi qui es une mauvaise foi. C'est bon. Bah, c'est une mauvaise foi, reconnais tes erreurs. Alors, je suis désolé. Il a écrit un seul, mais ce qu'il a fait, il a dit mon lit que lit, et il a fait que copier plagiat. Donc, c'est un manque d'originalité. Il est trop vénère. Il a copié ce que j'ai. T'as du yaourt dans le cerveau, madame. Il te faut quoi, un mail pour mon adresse, mon con, hein. T'es une sous-merde. J'avais oublié celui-là. T'es une sous-merde. Voilà, là, on le retrouve, là, non? Ça vous fait plaisir? Et vous avez manqué, les gars? Vous êtes contents? 2024? Qu'est-ce que t'as la gouine, toi, la lesbienne, là? Qu'est-ce que t'as la gouine? Il a vu le drapeau, il l'a tiré direct. On joue à la belote, là, non? Tu vois pas que c'est un p*** dans ça me faire chier? On joue à la belote, on fait quoi, là? Il faut un dessin, toi, aussi? C'est vraiment le meilleur, les gars, même en 2024. Pour Vignard, là, aussi. Pour Vignard, dégage. Va te bauder la ch*** connasse. Oh, putain, arrêtez de me faire chier, là. En fait, Candice, elle était nulle à chier. Ah bon? Depuis le début, en fait, ouais, c'est ça, bah, tu sais, elle a aucun talent, ça se voit, tu vois, ah elle ouais. Sait pas chanter. Ah bah, je... T'es dans les secrets des dieux. Elle était juste bonne, elle disait tout ce qu'elle faisait. Moi, je voulais la virer, sauf qu'en fait, le problème, c'est que, bah, tu parlais de Nikos. Bah, t'as des problèmes en ce moment, parce que... Bah oui, parce que Nikos et Candice... Ah bon? Bah oui. Vous pouvez te poser une question, quand on vire quelqu'un? Une question, Arti? Arti, une question? Non, attends, question, je peux te poser une question, Arti? Mais en fait, elle avait des prestations qui étaient grotesques, malhonnêtes. D'accord. J'ai pas regardé, d'accord. Montez. Alors, on va voir si t'es là. On va faire monter Vanessa, je sais pas qui c'est. J'ai pas trop envie de montrer. Dis-moi, Vanessa, on a l'impression que c'est Morgane. Je te reconnais, Morgane. Oui, c'est style le grec, cuissière de justice. Bah ouais, on a pas gagné les moutons ensemble. Le bon, voilà. Voilà, ça y est. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Franchement, c'était bien. Vanessa, c'est Morgane, maître de qui est, on voit dans le live de Nazim. Voilà. Excusez-moi, elle commence à faire ses délires. Salut. Vraiment là, fais-moi du mafé, s'il te plaît. Arrête avec ton accent, il est raté. Parle normalement. Parle comme ça avec les racistes normales. Il est raciste, mon accent. Ouais. Non, mais parle comme ça, s'il te plaît, parce que là, t'es gênant avec ton accent de merde, s'il te plaît. Ouais. Fais-moi pas le pro du roleplay, je vais te baiser ta mère là tout de suite, je vais te choquer. Ok, bon bah, tu les gars. Viens. Tu me fais des petites voix, hein, petit fils de. Les gars, go clip. Je vais, ça a mordu. Il est vraiment con, lui. Hein. Coucou. Ça va? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Rien de spécial, et toi? Oh, moi je fais des petits trucs, comment dire, un peu sexuels, si tu vois ce que je veux dire. T'es bien de caresser des seins? T'es toute nue, là? Ouais, là, je suis toute nue, là, ouais. Je vois tes pieds? Oh, j'adore, Loris. Fais attention, tu vas faire vernir. Mais non, on me voit pas, Loris, n'aie pas peur. Je peux te voir? Oui, attends, regarde. Ça. Dans cette frame, les gars, regardez. Il a autant mangé que lui, le gars en face. C'est le partage. Allez, tiens, prends une chips personnelle. Dans nos lives, donc je te crois sur parole. Mais fait que tu me montes ton setup, je oui, mais je j'ai une IP sur une PlayStation 2, j'ai une IP sur une Master System, j'ai plusieurs IP, tu peux pas me hacker en fait. J'ai une IP sur un routeur BX4000, sur un Club Z. Moi je code là-dessus, moi. Je fais de l'opération système, c'est du machine. J'ai du matériel de haute technologie, j'ai un transpondeur, t'as ça ou pas pour te connecter sur les différents IP aussi. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Moi j'ai un mari, le frère à mon mari, il a exactement le même équipement que toi. Est-ce qu'il a un kernel custom VPN? Oui, regarde. Je te jure, il a tout fait lui-même à partir de Amazon. Il a un setup double tapis, parce que ça, il n'y a que les mecs non, qui... Non, c'est le frère à mon mari qui est no life. C'est ouais, le frère à mon mari qui est no life. Et son frère, depuis qu'il a 10 ans et demi, il n'est pas sorti de chez lui, il a 28 ans. Et son jeu préféré, c'est Clash of Clans. Ouais, je connais, c'est un jeu de noob. Regarde, parce que toi, tu connais rien. Je t'explique tout, parce que t'es pas calé. Hein. En fait... Les doigts, ils quittent pas les analogues, et comme ça.
Ouais, c'est pas bon. Enfin, et là, tu passes en double pause technique. Comme ça que tu es efficace. Regarde, je me protège, je te pique, je me protège, je te pique. Et là, j'ai tous mes doigts qui se développent. Là, tu peux vraiment être très très forte en versus fighting. C'est comme ça que j'ai gagné deux tournois départementaux sur Street Fighter 5 Turbo. Oh ouais. Et tu joues un peu sur Call of, tu fais des cups et tout sur Call of. Ouais, Call of, ouais. J'avais développé une technique qui permettait de rusher assez facilement. Donc en gros, le joystick, je gagnais en précision puisque j'avais mes deux doigts perpendiculaires sur le joystick. Donc en gros, mes deux doigts géraient. Regarde, c'est même pas le pouce, hein, regarde, c'est mes deux doigts qui gèrent en transfusion. Merci, excellente soirée et bonne Saint-Valentin. Bisous. Merci. Moi, je l'ai branlé parce que personne, là. Zazou, je ne le connais pas. Zazou, j'avais pas vu. Le droit à la parole, voilà, bah, justement, le droit à la parole, montez. Bonjour, Aro. Justement, bah, je chantais allergie. Zazou, comment tu vas? Comment? Moi, c'est un pervers, moi. Est-ce que tu m'entends? Mais parle. J'aime les enfants, que je... moi, c'est un pervers, moi. Écoute, bon, attends. Moi, ouais, j'ai deux sœurs. J'ai deux. Oui. Bon, excuse-moi, Zazou, je l'ai bloqué parce que il était excité. Arôme. Putain, non, les gars. J'ai levé les. Vous avez vu, hein? J'ai levé les mains. J'ai levé les mains en l'air, hein? Non, j'y crois pas. Il reprend les raids. Il se met comme ça en stand-by. Et puis il se fait prendre à la gorge. C'est la fin de la vidéo, et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.